Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo haul, donc ça sera un haul Primark. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, j'avais fait un vlog avec Amandine. On est allé à l'ouverture de Primark et on a acheté pas mal de choses. Il s'agit du Primark du Val d'Europe. Si jamais vous êtes aux alentours, n'hésitez pas à y aller, c'est hyper cool. Donc on va commencer par le premier sac. C'est vraiment dans des gros sacs comme ça. En fait, j'ai pas vraiment acheté beaucoup de vêtements et tout parce que j'aime bien les vêtements, mais je sais pas, j'ai plus acheté des trucs pratiques pour la maison, etc. Mais j'ai quand même acheté un vêtement, donc vous l'avez vu dans mon vlog pour les personnes qui ont vu mon vlog. Donc il s'agit de ce pantalon, donc j'en ai déjà un. J'ai dit que j'en avais acheté un à H&M comme ça à 40€ et celui-là il est à 12€. Donc voilà, c'est exactement la même coupe et tout, sauf que celui d'H&M il est beaucoup plus épais. Donc voilà, c'est un pantalon lissé comme ça, hyper joli. Donc voilà, ça arrive un peu au-dessus de la cheville, mais les pantalons comme ça j'aime vraiment beaucoup. C'est élastique, j'ai pris du 36. Donc voilà, j'aime beaucoup ce pantalon. J'ai pris un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une sorte de mousse pour se nettoyer le corps. C'est gros et tout, donc ça a coûté 1,50€. Ensuite la base, j'ai acheté des cintres parce que j'en avais acheté plein avant à Primark et c'est ce que j'ai sur tous mes trucs. Et comme j'ai acheté pas mal de vêtements ces derniers temps, du coup j'ai plus du tout de cintres, c'est un peu gênant. Donc c'est des cintres en velours. Par contre ça prend la poussière, c'est un peu chiant, mais au moins les vêtements ils glissent pas dessus. Normalement ils sont à 6€, donc c'est 6€ les 10, mais je les ai eu à 4,80€, je sais pas pourquoi. Alors, le ticket de caisse il m'avait marqué 4,80€, donc je sais pas, c'est peut-être un prix d'ouverture, je sais pas du tout, mais je sais pas, c'était trop bizarre. Donc j'en ai acheté deux et voilà, j'ai plein de cintres comme ça. Ensuite j'ai acheté un pot comme ça, c'est un pot à crayon normalement, mais je vais l'utiliser pour mes rouges à lèvres. Ça va pas du tout avec ma chambre et tout, mais je sais pas, j'en avais besoin de un. C'était 2€ et voilà, c'est un petit truc comme ça. Donc en fait j'ai pris une petite trousse comme ça pour mettre dans le sac. Amandine elle a pris la même chose. Moi je vais l'utiliser plus pour mettre les pièces, des trucs comme ça. Donc à l'intérieur vous avez un coupe-ongle, une pince à épiler, un truc à cuticule, une lime à ongles et des petits ciseaux. Donc vraiment hyper cool. C'était 3€ et c'est hyper beau. Regardez comment ça brille. Vous pouvez mettre vos médicaments, vos cartes et tout. Ensuite j'ai pris un feutre eyeliner. Je me souvenais plus du tout que j'avais pris ça. Et ouais, c'est un feutre eyeliner, donc j'ai hâte de tester. C'était 2€. Ensuite là je l'ai ouvert déjà, mais en fait c'était un parfum roll-on. Et ça sent la framboise il me semble. Ça sentait hyper bon, par contre ça roulait pas bien. Enfin je veux dire, on dirait qu'il est bloqué et tout, c'est trop bizarre. C'était 2€ mais ça sent hyper bon. Je vous le montrerai peut-être dans un vlog. Ce truc là c'était au-dessus des lingettes. Donc les lingettes que j'avais prises, donc c'était 1€ les deux. Ok, lingette pour les mains et le visage. Je vais voir ce que ça sent du coup. Parce que j'en avais acheté aussi à Emma, des roses, et ça pue de ouf. Je trouve que ça pue. Ah ouais, bah ça sent pareil. Ça a la même odeur. Une odeur, ça n'a pas vraiment d'odeur, mais ça sent pas bon quoi. Il n'y a pas d'odeur fruitée ou truc comme ça. C'est juste pour se nettoyer les mains quoi. Donc voilà pour le premier sac. J'ai acheté deux trousses comme ça parce que j'en avais vraiment besoin pour les voyages, les déplacements et tout. C'est hyper pratique. Moi j'étais toujours en train de les mettre dans des tote bags. Enfin mes produits de beauté, je les mettais dans des tote bags ou dans des petites trousses toutes petites et c'était hyper chiant. J'ai pris deux grandes trousses comme ça pour tout ce qui est gros, crème, déodorant et tout. Vraiment trop pratique. Donc celui-là il a coûté 6€ et il est comme ceci. À l'intérieur c'est comme ça. Et le deuxième il est à paillettes. Comme ça. Par contre les paillettes c'est un peu gênant. Enfin c'est pas doux du coup. Je sais pas, on dirait que ça va abîmer des trucs. Bref, à l'intérieur c'est comme ça. Celui-là il a coûté 8€. La fermeture de celui-là il ferme un peu moins bien que l'autre. Mais je sais pas, je le trouve beau et j'aime bien cette couleur. Ensuite j'ai acheté deux gros packs comme ça de coton ovale, 100% coton. Ça a coûté 2€, ils sont vraiment trop pratiques. Parce que moi je déteste les petits parce que j'ai l'impression que ça nettoie rien. Je suis obligée d'en utiliser genre 5 ou 6 alors que ceux-là j'en utilise 2 et puis c'est fait quoi. J'avais deux packs mais j'en ai un qui est déjà ouvert. Donc voilà. La base des bases à acheter là-bas, ce sont les chaussettes. Donc ce sont des packs comme ça. Il y en a 7 paires dedans pour 3€. Et donc j'en ai pris deux noirs et plus clairs comme ça pour les chaussures claires et tout. Mais c'est trop bizarre, je sais pas vous, mais en fait à chaque fois je rachète, enfin avec mes soeurs on rachète tout le temps des paires de chaussettes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à chaque fois qu'on va à Primark on en prend genre plein. Et après bah il y en a toujours pas assez. Du coup je comprends pas, je crois que vraiment il y a un trou dans la machine à laver ou quelque chose. Parce que c'est vraiment très très bizarre de perdre tout le temps ses chaussettes. Enfin c'est pas un truc qui se perd je trouve.
Enfin, je les oublie jamais, enfin, je les enlève jamais dehors et tout. Trop bizarre. Dites-moi si vous aussi vous perdez vos chaussettes parce que je trouve ça trop chelou. Donc ouais, c'était 3,50 les 7 paires. Ensuite, le troisième sac. Donc j'ai pris ce truc-là. Donc Amandine a pris le même. Donc elle l'avait trouvé dans un coin. Et bah moi j'ai trouvé celui-là à l'étage et il n'en restait qu'un en fait dans le magasin, il en restait que deux, trop bizarre. Donc voilà, il s'agit d'un rangement comme ça, c'est bien pour les rouges à lèvres, les trucs comme ça. Et voilà, ils ont l'air plutôt solides, vraiment très solides et très très grands. Enfin vous pouvez mettre toute une collection de rouges à lèvres je pense. Et ça coûtait 10 euros, très très bien. S'il y en a d'autres, je pense que j'en rachèterai, je suis pas sûre. On verra bien. Ensuite j'ai pris bah, des cotons-tiges, c'était 1 euro. Et j'aime bien ces roses, enfin voilà quoi, pas très intéressant. Ensuite j'ai pris deux sprays, donc ce sont des sprays comme ça, je les ai achetés exprès pour vous en dire des nouvelles parce que bon, j'aime bien tester et en parler, donc voilà. Donc ça c'est un spray texturisant à la noix de coco et au bambou, donc on va sentir ça tout de suite. Je dirais pas que ça sent la noix de coco, mais aussi peut-être un petit peu et un peu le bambou, mais ça sent bon, c'est pas mauvais je trouve. Mais voilà, c'était 2,50€, parce que là en ce moment comme je vous ai dit j'utilise le Bumble and Bumble ou le Macadamia, donc voilà, ça c'est pas très cher, donc j'espère que ça marche. Et ça aussi c'est spray de protection contre la chaleur, donc la noix de coco et au bambou aussi. Je sais pas si ça sent la même chose du coup. Non, celui-là il sent plus, il sent bon. Ils sont très très bons. Enfin les deux ils sentent bons, mais lui, enfin c'est pas pareil je trouve. Voilà, ça c'est un spray de protection, ça aussi je sais pas du tout ce que ça va donner, mais comme j'ai pas de spray contre... Enfin quand je fais mes cheveux je mets rien avant, donc j'avoue c'est un peu mauvais, je vais tester ça. Et puis je vous redirai dans un vlog et tout. Ensuite j'ai pris un pack de mouchoirs, enfin il y en a deux dedans, c'est un lot de deux. C'est 50 centimes et en fait bah, c'était mignon quoi, enfin j'en avais déjà acheté avant. Donc voilà, il y en a 10 à l'intérieur et ça s'ouvre comme ça. Donc voilà, c'est des paquets de mouchoirs... Voilà quoi. Ensuite j'ai acheté un petit parfum, donc c'est le Love Eau de Parfum. Il a coûté 2,50€. Et il sent très très bon. Ça sent un peu les brumes Bath & Body Works, je trouve, en moins cher. Ça sent hyper bon, franchement ça dans le sac et tout, trop bien. Bon, c'est peut-être un petit peu lourd mais j'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté un passeport cover, bah en fait c'est un truc pour les passeports. Je trouvais ça trop trop beau, mais je me suis dit peut-être que c'est un peu encombrant dans le sac. En tout cas, je trouve ça très très beau. Très très joli. Et c'était 2,50€, donc voilà. Et enfin, le dernier truc dans ce sac, c'était un lip kit matte collection. Là, c'est un kit de rouge à lèvres, donc vous avez un liquide mat et un crayon à lèvres. C'était 4€. Moi, en commentaire, si vous voulez un crash test, enfin, je serais ravie de le faire avec Amandine, parce qu'elle, elle en a acheté deux. Donc voilà, ça c'est la teinte Obsessed. Vous pensez au NYX un peu, les NYX Suède, le packaging et tout. Et enfin, le dernier sac. Donc j'ai pris cette pochette là, donc ça aussi c'est pour voyager, pour mettre les trucs en complément des deux autres pochettes. Ce sera aussi pour le maquillage et tout, mais c'est hyper spacieux et j'aime bien les trucs spacieux. Donc ça c'était 5€, c'est trop mignon, il y en avait plein des pochettes comme ça, enfin trop mignon quoi. Enfin le dernier truc, donc il s'agit d'un plaid, un très très gros plaid, un plaid énorme comme ça, donc c'est un 235 x 260 cm, hyper doux pour un lit king size, mais bon pas grave. Donc il a coûté 16€, enfin il y avait marqué 16€, mais pas 16€ sur le ticket, c'était genre 12€ ou ouais un truc comme ça, je sais pas pourquoi ils ont fait une réduction dessus. J'y suis retournée le lendemain et il y avait plus. Je suis trop contente de ce truc parce qu'il est hyper doux. Et donc voilà, c'était tout pour mon haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes allé voir Primark du Bal d'Europe en commentaire. Peut-être qu'un jour on se croisera là-bas parce que je pense que je vais passer ma vie là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye !